Pygmalion est, dans la mythologie grecque, un sculpteur qui déteste les femmes. Enfin, surtout le mariage. Mais la vie est parfois ironique et il tombe amoureux de sa sculpture, une femme taillée dans l'ivoire. Et comme il est éperdument amoureux, il fait sa vie avec la statue comme un vrai couple. Il la caresse, il l'embrasse, il lui offre des cadeaux et il lui parle tous les jours. Mais la statue ne peut évidemment pas lui répondre, et Pygmalion est de plus en plus déprimé. Lors du festival d'Aphrodite, il sacrifie un bœuf à la déesse en souhaitant trouver une femme comme sa statue. Lorsqu'il retourne chez lui, il l'embrasse et trouve que ses lèvres semblent un peu plus chaudes que d'habitude. Il réitère le baiser et découvre avec stupeur que la statue répond à ses ardeurs. Pygmalion finit donc par se marier avec Galatée, sa statue, comme quoi, avec le mariage, il faut jamais dire jamais.